Salut, Nacho. As-tu vu Geneviève? Faut que j'y parle. Elle est allée donner une conférence sur les droits de la personne et revient vers la fin de l'avant-midi. Oh. Je peux peut-être t'aider? J'aurais préféré voir Geneviève. Je peux pas adopter mes petites jumelles. T'es déjà passé en cours? On n'a même pas pu se rendre devant le juge. Ça prend une évaluation psychosociale du conjoint qui veut adopter. C'est le Centre d'aide à l'enfance qui s'en occupe. Ils ont refusé de faire l'évaluation parce que je suis lesbienne. Ils t'ont vraiment dit ça? Mais pas dans ces mots-là, mais ça revient au même. J'ai reçu une lettre hier matin. Ils disent que les procédures d'adoption sont prévues pour un couple hétérosexuel ou une personne seule. As-tu la lettre avec toi? C'est une Isabelle Sauvageau qui l'a signée. Si je l'avais devant moi, elle. Puis, est-ce que le conseil peut m'aider? Il faut que j'en parle à Jude et à Geneviève. Allô, Michel. Ah, Ginette. Long time no see, hein? T'as l'air surpris de me voir. Un peu. Ça fait un moment qu'on s'était pas donné de nouvelles. Non, merci, je vais prendre juste un café. J'ai beaucoup hésité avant de venir ici, hein? La dernière fois, t'étais tellement bête avec moi. Mais j'avais plutôt l'impression que c'est toi qui étais hostile. Tu m'as traité de lâche. Oui. J'avais tellement de peine de te voir gaspiller ton talent. Je voulais que tu t'ouvres les yeux. Puis, qu'est-ce que tu deviens? J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais devenir agent d'artiste. Tu quittes ton bureau d'ingénieur? Je vais travailler à mi-temps jusqu'à ce que mon agence soit fonctionnelle. Je suis tellement contente d'avoir fait le saut. Mais tu sais combien j'aime les acteurs, le milieu des artistes. Je vais enfin réaliser mon rêve. Mais c'est pas vraiment ton domaine. Un instant. C'est quand même grâce à moi si la puce à l'oreille a connu un grand succès. Je voudrais que tu fasses partie de mon écurie. Je pensais que c'était des acteurs que tu cherchais. Michel. C'est une expression. Tout le monde dit ça dans le milieu. Je te remercie, mais j'ai pas besoin d'argent. T'as beaucoup de talent, Michel, mais tu le sais que t'as besoin de quelqu'un comme moi si tu veux faire une grande carrière. Je suis pas décidé à faire le saut. OK. Je comprends. Je veux surtout pas te brusquer, là. Mais tarde pas trop, hein? C'est plein de jeunes acteurs de talent qui cherchent un bon agent. Allô? Dominique est passé au conseil tout à l'heure. Sans expertise psychosociale, elle peut même pas entreprendre les procédures d'adoption. Ça vaudrait la peine qu'on rencontre le Centre d'aide à l'enfance? As-tu vu qui a signé la lettre? Écoute, Isabelle m'a pas donné signe de vie depuis qu'elle a rompu. Ah. Je pensais que vous vous étiez quitté en bon terme. Non, pas vraiment. Tu voudrais que je la rencontre à ta place? Disons que je me sentirais plus à l'aise, oui. De toute façon, ça va faire l'affaire de Dominique. C'est toi qu'elle voulait voir. D'accord. Ah, bon. Je te revaudrais ça. Oh, je le fais pas pour toi. Je le fais pour Dominique. Salut, frérot! Salut! T'as appris la grande nouvelle? Ginette va devenir agent d'artiste. Et tout l'effet que ça te fait? Très content pour elle. Quand elle m'a annoncé sa décision, j'étais inquiète.
travailler à mi-temps au bureau alors qu'il est sur le point d'obtenir sa permanence. Je trouvais ça risqué. Mais tellement débrouillarde. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Exagère pas. Pauvre Michel, t'es tellement pisse-vinaigre. Bon, j'imagine que... qu'elle t'a demandé de faire partie de... De son écurie. Oui. Fais pas semblant de pas le savoir. Je suis sûr qu'elle t'a déjà tout raconté en détail. Ben, c'est normal, entre collègues. Tu vas accepter, j'espère? Non. Ben, voyons, Michel! Avec elle, t'as toutes les chances de faire une belle carrière. Tandis que tu chules, là. Une belle carrière? Voyons donc, tu parles comme Ginette. Mais l'ambition, c'est pas un péché. C'est bien beau, le théâtre amateur. Mais si tu veux vraiment gagner ta vie sérieusement comme acteur, là, ben t'as pas le choix. Ginette me l'a dit, ça te prend un agent. Qui t'a dit que je voulais gagner ma vie comme acteur? Je joue pour mon plaisir. Mais voyons, Michou, ce métier-là, tu l'as dans le sang. Hey, je me rappelle quand t'étais petit, là, puis tu faisais des séances avec les petites voisines. Hey, t'écrivais même tes textes. J'étais jeune, là, c'était pas sérieux. Hey, je comprends, là, t'as la trouille. Mais j'ai pas la trouille. Je te blâme pas. C'est normal d'avoir peur. Mais là, là, à ton âge, il faut que tu prennes le taureau par les cornes puis que tu le règles ton problème une fois pour toutes. J'ai pas de problème. Mais voyons, Michou, arrête de nier l'évidence, là. À chaque fois que t'es sur le bord de réussir, tu laisses tomber. Pas du tout. Tu t'es inscrit au cégep en sciences humaines? Ben, t'as changé d'orientation juste avant d'avoir ton DEC. Parce que je me suis rendu compte que ça menait nulle part. Tu viens d'avoir un beau succès au théâtre, là. T'as fait sale comble pendant toute la durée des représentations. Là, il y a une fille intelligente, débrouillarde, qui t'offre de devenir ton agent. Puis toi, tu refuses. Dans la famille, là, nous, les filles, on a toutes réussi. Il y a juste toi, là, qui traîne de la pâte. Tu voulais me voir au sujet de Dominique Lacoste? Oui. Assieds-toi. Et passe au conseil. Et on voudrait avoir des précisions sur le refus du centre d'aide à l'enfance de l'évaluer. Mais l'adoption, ça regarde pas le conseil? Non, l'adoption, c'est vrai, mais quand il y a raison de croire qu'il y a eu discrimination, c'est notre rôle d'intervenir. Discrimination? Dans la lettre que t'as envoyée à Dominique, t'as écrit « Le meilleur intérêt des enfants ne serait pas servi s'ils étaient adoptés par des parents du même sexe. Mm-hmm. » C'est parce qu'elle est lesbienne que vous avez refusé de l'évaluer. Oui. On considère que le fait de vivre dans un foyer homosexuel peut avoir des conséquences négatives pour le développement d'un enfant, oui. Mais comment tu peux en décider sans l'avoir évalué? Dominique prend toutes ses responsabilités. Face à sa conjointe, face aux enfants, elle est très présente à l'hôpital. Elle gagne bien sa vie. Sa relation avec Judith est stable, chaleureuse. Geneviève, j'en ai vu des enfants qui vivaient avec des parents homosexuels défiler dans mon bureau. Ils ont des problèmes à l'école. Ils sont souvent victimes d'harcèlement, de moqueries. Mais il faut pas généraliser. À cause de votre décision, Dominique peut même pas faire une requête pour adopter les enfants de sa conjointe. Mais notre rôle, c'est pas de favoriser l'adoption par des homosexuels. C'est de protéger les enfants. C'est tout. Dis-moi, est-ce que Martin va bien? Oui, il va très bien. Dis-lui bonjour de ma part. J'y manquerai pas. Que le centre de l'aide à l'enfance ait fait preuve de discrimination. Ils ont refusé d'évaluer Dominique à cause de son orientation sexuelle. Si c'est pas de la discrimination... En adoption, c'est toujours le meilleur intérêt de l'enfant qui compte, Geneviève. Mais en quoi est-ce que c'est dans le meilleur intérêt des enfants qui soient pas adoptés par la conjointe de leur mère biologique? Tout ce que Dominique veut, c'est d'avoir des droits parentaux. Elle peut les exercer sans les adopter. Elle partage la vie de sa compagne. De ses enfants, elle va participer à leur éducation. Oui, mais Dominique n'existe pas légalement en tant que parent. Je suis sensible à son problème. Mais pourquoi le conseil prendrait la défense des homosexuels qui veulent adopter des enfants? OK. Si on leur avait refusé la possibilité d'adopter à cause de leur couleur ou de leur handicap, on prendrait leur défense.
Ici, aucun tribunal n'a jamais accordé l'adoption à un homosexuel. Mais oui, mais Dominique aura peut-être une chance, mais pour ça, il faut qu'elle puisse se présenter en cour. Sans notre aide, elle n'y arrivera pas. Récemment, un juge a refusé d'entendre la cause d'une lesbienne qui demandait d'être reconnue comme parent de l'enfant de sa conjointe. Écoutez, avant de remettre en question les institutions, il faudrait d'abord comprendre pourquoi elles ont été mises en place. Le mariage, l'adoption sont des cadres qui ont été conçus pour les couples hétérosexuels. Si une femme et un homme qui décident de se marier, avoir des enfants, peuvent pas en avoir, alors là, il leur est possible d'adopter. Mais plusieurs provinces permettent l'adoption par des homosexuels. Quand les lois changeront, alors là, on avisera. Mais les lois changeront pas tant qu'on va garder le silence. Les tribunaux sont frileux parce qu'on s'est jamais prononcé sur la question. Je crois que c'est prématuré, Geneviève. Alors on fera rien pour elle. Je vois pas pourquoi le Conseil défendrait un modèle social plutôt qu'un autre. L'adoption est un privilège, pas un droit. Tiens, le chèque pour Zaza. Merci. Mais là, attends une minute, là, on peut quand même se parler un peu, hein? Assieds-toi. Ah! T'es resplendissante, hein? On dirait jamais que tu viens d'accoucher. Ah! Ça a tellement été facile. Oh! Alex est fou du bébé. Tu le voyais, il en est quasiment gaga. Il se lève 6 fois par nuit pour voir si le petit est correct, change ses couches, donne son bain. C'est un père merveilleux. Ah, tu te rappelles quand on a eu Zaza? Hein? Elle était tellement belle avec ses petits cheveux. Là. Si je m'en rappelle. J'ai souffert pendant 18 heures. Je voulais qu'on m'achève tellement j'avais mal. Ouais, mais ça a quand même été un beau moment. T'as toujours aimé mes enfants, Pierre. Je comprends pas pourquoi Geneviève veut pas t'en faire un, d'ailleurs. Elle se sent pas prête. Voyons, on n'est jamais prête. C'est des raisons qu'elle se donne, ça. Des raisons de quoi? Mais t'as pas s'engagé à 100%. Non, c'est vrai, un bébé, ça change complètement de relation. Il apprend Alex puis moi. Avant que j'aille le petit, tu sais comment il était jeune de caractère, tête en l'air. Là, si tu le voyais, là, sérieux, dévoué, il pense juste à notre petite famille. Bon, ben, merci pour le chèque. Ben, de rien, hein. Oh, Guillaume ou Bruno? Pardon? C'est parce que Alex puis moi, on n'arrive pas à s'entendre sur le prénom du petit. Quel t'aime mieux? Ah. Ben. Moi, je préfère François. Non, Pierre, plus personne qui appelle son enfant François. T'es complètement out. On va se faire oublier ça. Bonjour, Judith. Geneviève! Oh, c'est gentil de venir me voir. Ça a l'air de mieux aller, hein? Beaucoup mieux. Le médecin m'a dit que je devrais avoir mon congé de l'hôpital dans quelques jours. Mmh. Tiens. Merci. Elles sont jolies. Ouf! Ça va? C'est encore sensible. Dire que je pensais que la césarienne, ce serait plus facile qu'un accouchement naturel. Comment vont les jumelles? Elles grossissent à vue d'œil. Mais veux-tu les voir? Oh, j'aimerais ça beaucoup. Mais avant, il faudrait que je parle à Dominique. Où est-elle? Dans la salle des incubateurs avec les petites. Elles ont bu leur bouteille jusqu'à... Allô? Hey! Ça va? Oui. Oui, oui. J'ai quelque chose à t'annoncer. Ah! Le conseil a décidé de ne pas contester la décision du centre d'aide à l'enfance. Qui a décidé ça? C'est Martin? Non. Non. C'est ton boss? Tout ce que je peux te dire, c'est que je regrette. Dominique? Je suis désolée. Elle était tellement sûre que le conseil nous appuierait. Comme ça, le conseil laisse tomber la lesbienne qui va adopter? Le conseil peut intervenir quand il y a eu discrimination, mais dans votre cas... Vous avez des enfants? Oui. Vous en avez combien? 4. Ouf, grosse famille. Vous êtes marié? Oui. Si votre femme décidait de divorcer, qu'est-ce qui arriverait à vos enfants? Eh bien, j'imagine qu'on négocierait pour une garde partagée. Si elle mourait... Il restera avec moi. La plus vieille a 15 ans. Moi, savez-vous ce qui m'arriverait?
Je perdrais mes petites filles. J'ai aucun droit sur les enfants de Judith. Si elle me quittait, je pourrais pas négocier une garde partagée parce que les homos n'ont pas le droit de se marier et que les concubins homosexuels ont aucun droit sur les enfants de leur conjoint. Si Judith mourait, sa mère pourrait les prendre. Moi, j'aurais pas un mot, 6 mots à dire, même si je les aime comme si je les avais mis au monde. Vous savez que vous pouvez contester la décision du Centre de l'aide à l'enfance en cours? Toute seule. Savez-vous combien ça risque de me coûter? Au moins 30 000? Ça, c'est juste un début. Trouvez-vous ça juste que j'enrichisse les avocats au lieu de mettre cet argent-là pour mes enfants? Excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger un moment? Oui. Bien sûr. Personnellement, j'ai des réticences à ce que les homosexuels puissent adopter des enfants. Mais mes préjugés ne doivent pas peser dans la balance. La seule question qu'il faut se poser, c'est si oui ou non il y a une discrimination. Et je crois que vous aviez raison. Le Centre de l'aide à l'enfance a fait preuve de discrimination en refusant d'évaluer Dominique Lacoste. J'ai rencontré Isabelle Sauvageau ce matin. Elle refuse de revenir sur la décision du centre. Eh bien, s'il n'y a aucune conciliation possible, va falloir les poursuivre au tribunal des droits de la personne. La question est délicate. Il va falloir la soumettre d'abord au président du conseil. J'ai une réunion avec lui demain. Je vais lui en parler. Pensez-vous avoir une chance de le convaincre? Le président est plutôt ouvert d'esprit, mais il est sensible à l'opinion publique. Disons que l'adoption par les homosexuels, c'est loin de faire l'unanimité dans notre société. Martin, trouve-moi toute la jurisprudence sur la question et je vais avoir besoin de ton rapport demain matin. Très bien. Merci. Merci. Penses-tu que c'est Dominique qui a réussi à le faire changer d'idée? Non, je pense que Jude est tout simplement un honnête homme. D'accord. Non, tu ne me déranges pas. Oui, d'accord. À 5h30, au Café du Centre. Bon, ben très bien. À tout à l'heure. C'est Isabelle, elle veut me voir. Au sujet de Dominique? Non, je sais pas, là, elle a rien dit au téléphone. Tu sais que je l'ai rencontrée ce matin, Isabelle, puis elle m'a dit de te saluer de sa part. Quel prénom tu préfères, toi? Bruno ou Guillaume? Je sais pas. Guillaume? Pourquoi tu me demandes ça? Ah, c'est parce que Corinne et Alex n'arrivent pas à s'entendre sur le prénom à donner au bébé. Elle m'a demandé mon opinion. Moi, je lui ai dit que je préférais François. Elle m'a dit que j'étais out. T'as l'air triste. Oh, non. J'ai jamais vu Corinne aussi en forme. La maternité lui va vraiment très bien, hein? Elle dit qu'Alex adore le bébé, il est aux petits soins avec lui. Ils ont l'air très heureux ensemble, vraiment. Et toi? T'as passé une bonne journée? Mm-hmm. Le conseil a décidé d'appuyer une lesbienne qui veut adopter les enfants de sa conjointe. Vous êtes pour ça, vous autres. C'est pas une question d'être pour ou contre. Cette femme-là a été victime de discrimination, puis on a décidé d'intervenir. En fin de compte, ça revient à prendre position en faveur de l'adoption par les homosexuels. Est-ce que t'as contre ça? Bon. Aux dernières nouvelles, une famille s'est constituée d'un père et d'une mère, hein? Ah oui, mais tu devrais voir Dominique et Judith. C'est un vrai couple. Dominique aime ses enfants-là comme si c'était les siens. Tu sais, les liens biologiques, c'est très relatif. Hey, on vit quand même dans une drôle de société, hein? On a un des taux de natalité les plus beaux au monde.
Puis là, on permettrait à des homosexuels d'adopter nos enfants. Alors que les femmes, qui, elles, sont en état de procréer, qui vivent une situation de couple stable, idéale, elles, elles veulent pas en faire les enfants. Comme moi. Bon, c'est pas un reproche, là, hein? C'est un fait. Oui, c'est un reproche. Je sais, Pierre, que t'aurais voulu un autre enfant. Oui. Oui, c'est vrai. J'en aurais voulu un autre. Ça me manque. Je peux l'exprimer, non? Mais je comprends pas pourquoi tu reviens là-dessus. On en a parlé il y a quelques mois. Geneviève, c'est pas parce qu'on en a déjà discuté que c'est réglé pour autant. Bon. Des fois, je me demande si, dans le fond, c'est pas une peur profonde de t'engager, ça. Comment je pourrais avoir peur de m'engager si je partage déjà ma vie avec toi? Bon, excuse-moi, là, OK, là, je voulais pas te blesser, là, c'est... C'est juste que... C'est pas, on dirait que depuis quelque temps, tu t'éloignes de moi. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ben, je sais pas, tu... Je veux dire, tu prends le parti de ton père contre moi, t'es de plus en plus souvent absent de la maison, Est-ce que tu veux parler de mon souper avec Martin? Combien de fois va falloir que je te dise que c'était juste pour le travail? Le battleur, c'est Fred. Hein, il pense à moi. Tu devrais arrêter de te tirer aux cartes, tu vas finir par y croire. T'es plate, ça m'amuse. Fanny, penses-tu que je suis un raté? Comment va ta sœur Claire? Toutes mes sœurs ont une carrière, sauf moi, je traîne de la patte. Ben toi, tu vas arrêter d'écouter Claire. Elle est tellement bourgeoise. L'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Justement, justement, j'adore le théâtre, puis j'ai peur de me lancer pour vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, pour vrai? Le théâtre amateur, c'est pas moins vrai parce que c'est amateur. C'est juste moins peut-être brou. Ginette est venue me voir au café. Ah ouais? Elle m'a fait une proposition. Tu veux dire que tu vas enfin pouvoir la sauter? Non, pas ce genre de proposition-là. Ah, c'est bien dommage. Tu peux pas être sérieuse. Deux secondes. Quel genre de proposition? Elle se lance comme agent d'artiste. Ginette? Oui. Puis elle voudrait m'avoir comme client. Il faudrait que j'y donne une réponse demain. Qu'est-ce que t'en penses? Agent d'artiste? Qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans? Ben... C'est quand même grâce à elle que j'ai pu monter ma pièce. Hey, wow! Son oncle a financé ta pièce en mettant de la publicité pour vendre ses bols de toilette. Ça qualifie pas Ginette comme agent d'artiste, ça. Ben, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je le sais pas. D'un côté, elle est efficace, fille-là. Elle est très dévouée. Mais de l'autre... De l'autre... Tu connais l'ego podium, pas derrière. Pas personnellement, non. C'est une plante. Elle est bien belle, mais elle est envahissante. Elle finit par envahir tout le jardin. Les racines sont tellement profondes que tu peux plus t'en débarrasser. Si c'est ça que tu penses de Ginette, refuse. Ouais, t'as raison, je pense. Moi, je vais refuser. Tu es en retard? Non, non, c'est moi qui suis arrivée en avance. Ah. Ça m'a pris tout mon petit change pour t'appeler. Je prenais le téléphone, je raccrochais, je... Je suis pourtant pas le bonhomme 7 heures. J'avais peur que tu m'en veuilles. J'ai coupé les ponts pas mal raides la dernière fois. J'avais aucune raison de t'en vouloir. T'as l'air bien. Toi aussi. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre une bière pression, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Je te remercie d'avoir accepté de me rencontrer. J'ai vu Geneviève Langlois au sujet d'une lesbienne qui veut adopter. Oui, oui, je suis au courant. Je t'avoue que j'ai été étonnée que le conseil s'en mêle. Mais qu'est-ce qu'il y a de si étonnant? Mais l'adoption, c'est pas du tout votre juridiction. OK, mais c'est pas la première fois qu'on intervient dans un de vos dossiers. Justement, c'est...
C'est la deuxième fois que j'ai affaire avec Geneviève. Elle est tellement à cheval sur ses principes. Je me rends compte qu'elle connaît mal notre travail. Notre raison d'être, c'est les droits des enfants, rien d'autre. Geneviève Langlois est un très bon agent des droits civils. Voilà. Ah, merci. Je ne veux pas dire qu'elle est incompétente. Seulement, nous, on travaille sur le terrain avec des vrais problèmes. La discrimination, c'est un vrai problème, Isabelle. J'ai pas dit le contraire, Martin. Mais ça s'applique pas à Dominique Lacoste. Notre décision de pas l'évaluer, la visait pas personnellement. C'est une politique générale du Centre d'aide à l'enfance de pas faire d'expertise psychosociale à un conjoint du même sexe, c'est tout. Ouais, mais c'est justement cette politique-là qu'on trouve discriminatoire. Au lieu de vous mêler de ce que vous connaissez pas, vous devriez vous occuper des vraies victimes de discrimination. C'est exactement ce qu'on fait. Je pensais qu'on pouvait se comprendre. Je me suis trompée. Vivre en amour. Bête ou je m'appelle pas Ginette Lachance. Je pense qu'on s'est mal compris. Alors, je t'ai déjà décroché deux auditions. Je t'ai amené le nom des personnes à contacter, les adresses, les dates, bref, tout est là. C'est quoi comme audition? La première, c'est une publicité pour des laxatifs. Hey, c'est une belle entrée en matière. Je veux rien savoir. Ben là, Michel, tu commences dans le métier, là. Tu peux pas te permettre de faire la fine bouche. J'ai le col de dire. Non, tu trouveras quelqu'un d'autre. C'est quoi la deuxième audition? Un rôle de premier plan dans un film. Un jeune revendeur de drogue. Il attrape le sida en se piquant et il se venge en le donnant à tous ses partenaires. Ah, c'est horrible! Ben voyons, Michel, tu vas pas te mettre à critiquer le scénario en plus! C'est Théo Dumont qui écrit et qui réalise le film. Oh. C'est son premier, mais c'est très prometteur. Michel, le métier d'acteur, c'est comme monter à cheval. Quand t'es tombé une fois, il faut que tu remontes. Tout de suite. Oh, c'est quand? Tu te présentes demain matin à 9h précise. Théo a toujours la même assistante, là. Lisette Rouleau. Hein? Je compte sur toi pour pas te sauver comme la dernière fois, hein? Parce que là, ma réputation en prendra un coup. Hein? OK? Bye. Bye. C'était quoi déjà le nom de la plante envahissante? Mon hostie tabarnak! Moi, t'as l'arraché, ta maudite tête d'eau, mon sacrement! T'as pas l'air de savoir à qui t'as affaire! Moi, t'as le montré, moi! Michel! Claire! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu en train de virer fou? Non, je suis en train de répéter mon texte, là, pour mon audition de demain. Oh! Mais tiens, je t'ai apporté ça, là, pour te féliciter d'avoir accepté l'offre de Ginette. Je suis certaine que ta carrière va faire un boom. Ça, tu peux le dire. Je me fais sauter la cervelle à la fin du film. C'est bien effrayant. C'est le bout le moins pire. Je prends de la coke, je me shoote à l'héroïne, je tue un dealer rival, j'attrape le sida puis je le refile à tout le monde. J'aurais jamais dû accepter de faire cette audition-là. C'est pas un rôle pour moi. Oh, ça va te faire explorer d'autres facettes de ta personnalité. Oh, mon audition est à 9h demain matin. J'ai bien du texte. Pourrais-tu me donner la réplique? Oh, je veux bien essayer, mais je t'avertis, je suis pas bonne. Bon. Pas vraiment important. T'as juste à crier, ça va être parfait. Oh, c'est quoi la scène? Ça se passe dans une ruelle. Mm. Mon personnage se fait casser la gueule par son dealer parce qu'il doit de l'argent. Ça commence là. Aïe! Hey! Viens ici, mon hostie de crotté! Ouh. Envoie Hey ici que je te fasse avaler tes couilles. Je serais jamais capable de lire ça, là. T'es mieux de t'habituer, c'est de même tout le long. Oh! T'as peur, hein, mon tabarnak? Tu chies dans tes culottes. Bon. Tu pensais-tu que je te laisserais décrisser avec mon stock? Il sort son revolver. Ah non, il sort son revolver. Bon. Me prends-tu pour un crise d'épée? Mon espèce d'hostie de visage à deux faces! J'ai jamais rien lu d'aussi grossier. Qui c'est qui a écrit ça? Théo Dumont, c'est son premier film. J'espère que c'est son dernier. Ah! Moi, je suis pas sûre que tu devrais passer ça, cette audition-là. Ah!
Ah, oh, parce que tu voudrais que je lâche maintenant. Juste comme je suis sur le point de réussir. Bon, si on se prenait un petit verre de vin, hein, pour se donner du courage. Est-ce qu'il y a ton eau de bouteille? C'est pas ce qui nous arrive. Quoi? Le bébé va bien, j'espère? Il manquerait plus rien que ça. Alex a perdu sa job. Non. Il a été congédié? Hein, oui. Le patron du bar, il a dit qu'il s'absentait trop souvent. Pas d'un beau sans cœur, tu vas mettre un père de famille à la porte parce qu'il s'occupe de son petit. Ouais. T'as raison, hein? C'est vraiment injuste. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. Je suis découragé. Pour une fois qu'il y avait un travail payant, là, il va falloir qu'on vive sur mes prestations de maternité pendant un bout de temps. Avec deux enfants à charge, je sais pas comment on va faire pour arriver. Ben là, Zaza est quand même pas complètement à ta charge, hein? Je fais ma part. Non, je sais, là, ça m'aide beaucoup, mais... Là, tu sais, elle grandit vite. Il a fallu que j'y rachète une garde-robe au complet. Ça m'a coûté la peau des fesses. Faut que je l'inscrive à un cours de natation, matériel scolaire, cours d'art plastique, de danse à claquettes. J'arrive pas. Faudrait que t'augmentes la pension. Combien? 200$ par mois. Non, c'est beaucoup. Je suis trop serré, là. Voyons, Pierre, tu fais de l'argent comme de l'eau. Ah, écoute, j'ai passé beaucoup de temps sur mon livre. J'ai presque plus le temps de donner des conférences. Mes revenus ont beaucoup diminué ces derniers temps. Oh, je te connais, t'en as de collé. Hein? On t'a toujours été proche de tes cernes. Hey, j'ai jamais lésiné sur l'argent de la pension. Tu le sais, Zaza, c'est comme la prunelle de mes yeux. Justement? Justement, je comprends pas là, pourquoi tu fais un plat avec un petit 200$. Ben voyons, Corinne, 200$ par mois! Par mois, hein? Ça veut dire 2400$ par année, sans compter ce que je te donne déjà. Tu vois bien que ça n'a pas de bon sens? Tu savais que je pouvais pas compter sur toi. Voyons donc, là, Corinne, c'est toi qui n'es pas raisonnable. Tu vas quand même pas me demander de soutenir ta famille financièrement. Oh, ça, c'est bon. Hey, je te demande d'augmenter la pension pour aider ta propre fille, puis tu m'accuses de vouloir vivre à tes crochets. Non, 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 non. Tout ce que je dis, c'est que j'ai pas les moyens d'augmenter ta pension en ce moment. Veux-tu savoir la vérité? T'es jaloux? Ah bon, jaloux. De qui je suis jaloux, moi? D'Alex puis moi. Non, non. T'es jaloux parce qu'on a un bébé puis t'en as. T'es jaloux parce qu'on a un bébé puis t'en as pas, OK? C'est complètement faux, puis tu le sais très bien. En fait, compte, on a décidé d'appeler notre bébé François. Puis à mode, là, mais... plus classique que Guillaume ou Bruno. Salut. Comment ça s'est passé avec le président? Ça n'a pas été facile. Disons qu'il... qu'il n'y a rien contre le fait qu'on tente une conciliation avec le Centre de l'aide à l'enfance, mais en cas d'échec, il voit pas d'un bon œil qu'on aille jusqu'à les poursuivre. Vous voulez dire qu'il s'y opposerait? Non, non. Il me fait entendre à mots couverts qu'il préférerait que le Conseil ne se lance pas dans une polémique à la veille d'élection. J'en parlerai pas. Quand on mécontente le pourvoyeur de fonds, ben, on risque de se faire couper les vivres. C'est juste une question de sous. On dirait que oui. Tu sais, des fois, je me demande ce qu'on fait ici. Pi, comment ça s'est passé, ton audition? Ben mieux que je pensais. Ah oui? J'avais un peu le trac au début, mais Théo Dubon m'a dit que je jouais avec beaucoup de naturel. Oh oui. Hey, t'étais mieux d'être bon. On a assez répété. Ouais, j'ai besoin d'un bon café. Moi, j'ai tellement mal dormi, là. J'ai rêvé toute la nuit qu'une bande de voyous me tirait dessus. Mais y a-t-il des chances d'avoir le rôle? Bien, certains qui veulent l'avoir. C'est le meilleur. Hé, hey, Michel, pige une carte, on va le savoir. Oh! Oh, tiens. Attends. Avant de choisir la carte, là, concentre-toi. Pense à ton rôle. Papy? C'est bizarre, j'arrive pas à déchiffrer la carte. Pour moi, t'étais pas assez concentré. Ah, fous donc, ça marche pas. Bonjour tout le monde. Ah, Gilles! Hey, il paraît que mon petit frère a fait une très bonne audition. Excellente. Tu t'es vraiment fait remarquer, hein? Tout le monde m'a dit à quel point t'étais bon. Oh, ben, c'était pas vraiment mon emploi, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Fais pas ton modeste. Une fois que tu réussis quelque chose. Malheureusement, Michel a pas eu le rôle. Quoi? Hein? Je viens de parler à Théo.
Il t'a trouvé excellent. Mais juste pas assez... viril. Viril? Ah non, mais faut pas te décourager. L'important, c'est qu'on fasse parler de toi. Mm. De toute façon, c'est pas un rôle pour toi, ça. Mm. C'est-tu qui a eu le rôle? Maxime Hébert. Si Maxime Hébert, il a l'air viril, moi, je ressemble à Superman. Oh, ben, Maxime a fait une très bonne audition, lui aussi, tu sauras. On dirait que t'es contente qu'il ait eu le rôle. Il fait partie de mon agence. J'étais là comme un cave à préparer mon audition, puis sans le savoir, j'étais en compétition avec un de tes poulains. Pensais-tu que je pouvais partir en affaires avec juste un acteur? Bon, mais moi, faut que j'y aille. J'ai une réunion. C'est pas grave, Michel. De toute façon, c'était pas un bon scénario. Au revoir. T'aurais pu m'avertir, au moins. Mais voyons, Michel, c'est confidentiel. Maxime non plus, il savait pas que tu passais l'audition. C'est une question d'éthique. OK? T'avais raison. J'aurais jamais dû y faire confiance. Je l'avais lu dans la carte que t'as tirée. Je veux plus jamais que tu me tires aux cartes. Entrez. Cette fois-ci, j'ai frappé avant d'entrer. J'ai remarqué. Je voulais vous dire... Judith et moi, on apprécie beaucoup ce que vous faites pour nous. Je ne l'ai pas fait pour vous. La décision du conseil était basée sur des faits. Merci, pareil. Pensez-vous qu'il va falloir poursuivre le centre d'aide à l'enfance? On va tout faire pour l'éviter, mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix. Si on va en cours et qu'on gagne, ça veut dire que le centre va être obligé de m'évaluer. Ça ne les empêchera pas de vous évaluer selon leurs critères. Autrement dit, c'est possible que leur évaluation de moi comme parent soit négative. C'est possible. N'anticipons rien. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on aura le droit d'adopter comme tout le monde. Judith et moi, on va se marier cet après-midi. Ah bon? Ah, c'est pas un mariage reconnu par le Code civil. On est allé à l'église protestante, puis ils ont accepté de bénir notre union, comme on dit. Ben, quand on n'a pas les mêmes droits que tout le monde, on a besoin de symboles pour se faire croire qu'on les a. Martin et Geneviève sont invités. Je voulais vous demander de venir, vous aussi, si vous êtes libre. C'est gentil, avec plaisir. Judith n'est pas complètement rétablie. La cérémonie va se passer dans la chambre d'hôpital. Alors, on veut pas de cadeaux. Juste votre présence, ça va suffire. J'apprécie beaucoup que vous ayez pensé à moi. Oh, j'oubliais. Tant qu'à être d'un symbole. Un cigare pour chaque jumelle? Merci, mais je fume pas. Oh, vous avez sûrement un beau-frère macho qui aime les cigares. Cet après-midi. Tu partais? Je m'en vais à un mariage. Je reviendrai une autre fois. Ah, non, ça va. Entre, j'ai un peu de temps. Je voulais m'excuser pour la dernière fois. T'as tes convictions, c'est normal que tu les défends. Je regrette pas ce que je t'ai dit. Je regrette la façon dont je te l'ai dit. On peut pas dire que j'ai été très diplomate non plus. Je voulais pas qu'on se laisse sur une mauvaise impression. Ben, on efface l'ardoise. Oui, et on efface l'ardoise. Martin, es-tu prêt? Bonjour, Isabelle. Bonjour. Appelle-moi quand tu auras du temps. On pourrait prendre un café. Oui. Excuse-moi. Bye. Bye. Et es-tu prêt? Je voudrais pas qu'on arrive en retard. T'es ravissante. Merci. Mes amis, nous sommes rassemblés ici pour bénir Judith Nadeau et Dominique Lacrosse.
Judith et Dominique se donnent l'une à l'autre, s'engagent à prendre soin l'une de l'autre, dans les bons comme les mauvais moments. Surtout les mauvais. Dominique. En présence de Dieu et devant ses témoins, vous allez maintenant faire vos promesses. Moi, Judith, je te prends Dominique pour compagne. Moi, Dominique, je te prends Judith comme compagne. Pour te garder et te rester fidèle à partir de ce jour. Pour te garder et te rester fidèle à partir de ce jour. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Dans l'abondance et la pauvreté. Dans l'abondance et la pauvreté. Dans la maladie et la santé. Dans la maladie et la santé. Dans la joie et la tristesse. Dans la joie et la tristesse. Pour t'aimer et te chérir. Pour t'aimer et te chérir. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. C'est ma promesse solennelle. C'est ma promesse solennelle. Je te donne cet anneau en signe de notre alliance. Je te donne cet anneau en signe de notre alliance. Judith et Dominique, je vous souhaite d'être très heureuses. Dans un instant, l'or. Il y a un gars qui peut sauver Marina. Il est beau, il est fin, il a de l'argent, mais elle veut rien savoir. Tu sais. Je la comprends, moi. Elle a des principes, Marina. Elle n'est pas à vendre. Lui, il n'est pas si beau que ça. Lui. Non, je vais. D'être ici à 10 heures. Je pense que j'avais la clé. Ah, j'ai voulu faire une marche. Je suis allé chez un de lui. Puis quand j'ai vu l'heure, je lui ai demandé de me le conduire. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous sortiez pas de l'auto? Oh, continuez à parler, il n'y a plus moyen de l'arrêter. C'était pas d'Avelue, vous étiez avec une femme. Une jeune femme, en passant. Tu me guettes? Ouais. Vous étiez stationné dans la cour. Je pouvais pas faire autrement que de vous voir. Moi, c'était la fille d'un ami. Elle avait besoin d'une faveur. Quelque chose de très confidentiel. Elle est très jolie, hein? Je sais, oui. Pour faire du parking, vous devriez essayer le Mont-Royal. Ici, tous les voisins devaient être à leur fenêtre. Bon,